Après les 3 ans en cours Simon, mon premier projet, j'ai fait Braco, la saison 2. Rengaine, de Rachid Djaïdani, Les combattants de Thomas Caillet, Ni le ciel ni la terre. Voilà, quoi, j'étais dans pas mal de beaux projets. Et sur le tournage de Braqueur, j'ai rencontré Kaina. Et ce jour-là, avec Kaina, j'ai rencontré aussi Tiffany. On apprend toujours ici. Je ne serai jamais un acteur ici. Ici, j'apprends toujours. L'acteur, c'est quand il y a le film. Là, on est des acteurs. Mais ici, je suis là pour apprendre. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Mais plus ça m'a amené que c'est un jeu en fait ce métier. Je m'éclate. Ça reste un métier, bien sûr. Faut être sérieux, faut être carré, mais on s'éclate. Tous les coachings que j'ai pris actifs, c'est pas pour des castings, c'est plus j'avais déjà les rôles, donc c'est plus pour me préparer, pour tenir le rôle, quoi. Je ne pouvais pas continuer à aller faire des tournages et comme ça, dans le brouillon, quoi. J'avais besoin de me recadrer. Carrément, ça m'assure une vraie sécurité. Au moins, je pars, je sais avec quoi je pars. Ensemble, on essaie de travailler, de connaître qui est le personnage que je joue. Je lui invente une vie avant, une vie après. Et tu arrives au moins sur le plateau, tu sais qui tu es. Il y a une base déjà. J'ai fait une série de transferts qui va passer sur Arte en 2017. J'ai le troisième rôle, j'ai un gros rôle dedans. Il y a des projets, mais rien n'est signé, donc je ne peux pas m'avancer. Mais il y a des projets, il y a des belles choses et il y a des bonnes choses qui arrivent.